L'AGIRC-ARRCO avait enquêté sur les 600 000 retraités, pensionnés donc en France, mais qui vivent en Algérie. Donc c'est quand même 1 milliard de prestations par an. Alors là, vous allez voir, c'est dingue. C'est l'AGIRC-ARRCO, donc c'est la complémentaire retraite. Sur 1 000 allocataires de l'échantillon algérien, 179 allocataires ont été fiabilisés, c'est-à-dire reconnus, oui, ils existent vraiment. 691 n'ont pas été retrouvés, sur 1 000, hein. Et 130 allocataires décédés. Voilà. Alors, il a fallu qu'on aille vérifier, hein, pour découvrir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez que 18% qui méritaient bien leur pension. Voilà. Donc là, je dis, il faudrait au moins généraliser l'échange d'informations automatiques d'état civil. On le fait bien avec les paradis fiscaux, l'échange automatique d'informations fiscales. Faisons au moins ça.